Bienvenue dans notre émission Zombo le soir, l'émission qui passe sur les antennes de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, l'AVDC. Merci, chers téléspectateurs, parce que vous nous suivez à partir de New York, aux États-Unis d'Amérique, grâce à notre confrère Don KMB. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique et du Congo. Et aujourd'hui, nous allons parler de la desserte en eau et électricité, comme le chef de l'État avait recommandé à ces deux sociétés de desservir la population en eau et électricité pendant 2 mois, et cela d'une manière gratuite. Quel état des lieux faire de cette situation? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Maître Douli Mountou Loulou, qui est avocat de la République, avocat au barreau de Kwilu. Il est leader d'opinion et il est secrétaire national de la jeunesse responsable. Avec lui, nous allons faire le tour d'horizon sur l'actualité ces derniers temps. Vous le savez aussi, la République démocratique du Congo enregistre à ce jour plus de 2000 cas de COVID-19. À cet cas, le chef de l'État avait choisi de suspendre toutes les activités, mais déjà à 2000 cas, on envisage reprendre les activités et timidement. Et en ce qui concerne aussi la pétition dressée pour la déchéance de Jean-Marc Kaboun, qui est le premier vice-président à l'Assemblée nationale. Alors, Maître Douli Mountouloulou va en parler tout à l'heure. Mais avant de commencer cette émission, je vous propose ce reportage réalisé par notre consoeur Adrienne Mayumbo. Bande Kobalandi, Radio-Télévision, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Bozu Bissot Kobanda, New York, puis États-Unis d'Amérique. Naboka circonfère Nabiso don KMB. Lelo to meme libino li solo etali likambo ya mai. Na komini ya Ngaliema, population ezali kolela. Bazali na mai te. Tandis que bakonzi ya mboka alobaki, batika mai ebima pendant 2 mois. Ekipe Nabiso eleka ki awa, tolanda. Bonjour papa. Ah, tu as dit. Ah, tu as na loya. Comme nini. Comme il a gagné ma. Est-ce que bozwa kama et le corps présent le baki batu bazwa mai 2 mois gratuitement? Ah papa. Biso penza do ki 2 mois on va pesi biso. En tout cas to consommer ngoki. Donc il y a pas de exact tala to sala mbu tala mbu. Étiquette ya pamba. Mai ngo bozwa kawa. Ce que tu as dit, c'est que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit papa. Tu as dit que tu as dit que 2 heures, 3 heures, que tu as dit que tu as dit que tu as papa. Que tu as dit que tu as dit papa. Tu as dit que 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 tu as Tu as dit que 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 tu as dit Vous avez dit que 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 vous avez dit Soit il a venu, il a venu au Moussous. Mais il est mort au Loya. Où est-ce venu Loya? Où est-ce venu Loya? A venu Loya. Maya m'a raté. Maya est m'a raté. Maya est m'a raté. Donc Maya, il y aura tellement de choses. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc, la pression, Maya est en train de se faire. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, quand on a battu le régime des autres. Bon, le régime des autres, il y a les gars avant même que tu n'as pas parti. Alors, il y a aussi qu'à partir, il y a le point où il y a eu, 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 il
Monsieur. Ndenge bouti kolanda awa tosengi na bakonzi ya mboka babongisela biso likambo etali mai. Topesi bino merci na ndenge bouti kolanda biso botikala kolanda biso na www.mediaforafrica.net. Nous disons merci à notre consoeur Adrienne Mayumbo pour ce bon reportage. Alors nous retournons à notre invité, Maître Douli Muntu Lulu.
Chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, bonjour et merci de nous suivre partout à travers le monde, comme vous nous suivez à partir de New York aux États-Unis d'Amérique. Et ici, nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et nous sommes sur ce plateau avec Maître Loulou. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur le journaliste, et puis bonjour à tous les téléspectateurs et puis internautes qui auront, n'est-ce pas, l'occasion, n'est-ce pas, de nous suivre. Mais comme nous sommes assis selon la distanciation, est-ce que nous pouvons ôter afin que nos téléspectateurs vous déchiffrent correctement, vous voient votre figure? Voilà, merci beaucoup. Je suis peut-être là. Qu'on peut vous aimer par l'une de nos téléspectatrices. Non, je suis déjà. Voilà. Ok, bien, Maître, vous êtes sur les antennes de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, la VDC, qui émet à partir de New York aux États-Unis et d'Amérique. Le chef de l'État congolais, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété 2 mois d'approvisionnement ou de certains eaux et électricité à la population pendant toute cette période d'état d'urgence. 2 mois après, quel est l'état des lieux que vous faites à ce sujet? D'abord, nous voulons prendre l'occasion pour féliciter le chef de l'État d'avoir permis à un certain niveau qu'il puisse accompagner, n'est-ce pas, la population congolaise. Il y avait déjà des problèmes terribles, il y a la pauvreté, il y a presque le manque de tout. Mais le chef d'État a voulu peut-être répondre à un appel qui a été lancé par le peuple en demandant des mesures d'accompagnement. Parce qu'il y avait, n'est-ce pas, un état d'urgence décrété. Et vous savez, l'état d'urgence, c'est une situation auquel toute personne, ou soit le peuple, seront confinés, ils n'auront plus le temps d'aller chercher. Parce qu'ici, les Congolais vivent du jour au jour. Raison pour laquelle le chef d'État est venu, n'est-ce pas, accompagner les Congolais. Alors, s'il faudrait maintenant établir un état des lieux, une certaine évaluation, nous pouvons dire qu'il y a, dans certains coins, il y avait l'eau qui ne coulait pas, a commencé à couler. Et dans d'autres coins, il n'y a pas d'eau. C'est ce qui est regrettable, mais du moins, ce qui compte dans la vie, c'est cette volonté de faire malgré les faibles moyens. Maître Lou, est-ce que vous pouvez d'abord dire à nos téléspectateurs, vous êtes avocat au barreau de quel parquet, de quel cours? Je suis avocat au barreau de Kwilu, je suis installé ici à Kinshasa, où là où nous sommes, c'est mon cabinet. Donc voilà, et puis je suis l'avocat de la République du Congo. Merci. Et d'abord, nous allons demander à la réalisation de nous balancer les images que nous avons collectées sur terrain. Et par après, nous allons encore vous donner la parole. On les vend avant que ça arrive à terre. Sinon, il y a risque que les gens commencent à partir en cascade. Tu termines déjà, non? Et puis à vous, vous toi, si tu ne fais pas, il y a autant de petits qui passent, qui partent, comme si rien n'était. N'est-ce pas? Dans les images que nous venons de lire tout à l'heure, les images collectées par nos reporters, il y a certains coins de la ville de Kinshasa où l'eau ne coule jamais depuis bientôt 10 ans. Et là,
le chef de l'État a lancé, les travaux sont passés, mais dans ces quartiers n'ont jamais été touchés. Est-ce la mauvaise volonté des agents de la SNEL ou des habitants eux-mêmes? Non, le problème, je viens de vous dire tout à l'heure, c'est un problème de moyens. Hein, c'est un problème de moyens. Vous parlez de l'eau, vous parlez aussi de l'électricité. Parlant de l'eau, l'eau c'est un produit humanitaire. Comme vous le savez, l'eau c'est la vie. Quand on dit l'eau c'est la vie, donc vous devez comprendre que sans l'eau, la population va peut-être souffrir énormément. Alors nous pouvons dire que nous avons l'eau abondamment ici en République du Congo. Le vrai problème c'est l'entretien de l'eau, la propriété qui devrait avoir de l'eau pour permettre à ce que les gens, n'est-ce pas, puissent en consommer. Donc le service qui est habilité à traiter de l'eau, c'est un service qui est coûteux aussi. Et bien qu'il y a des accompagnements, ce qui concerne même la Banque mondiale, il y a le Fonds monétaire international qui essaie un peu de donner tant soit peu. Mais ce qui est vrai, dire que c'est de la mauvaise foi, je ne crois pas. Ce n'est pas la mauvaise foi, c'est question de moyens. À l'impossible, nul n'est ni. On donne ce qu'on a. Mais écoutez, on compte donner ce que nous pouvons avoir comme moyens. Et puis, c'est vu ce que nous avons à notre disponibilité, nous faisons un effort. Donc, ce n'est pas... Et la mauvaise foi, j'estime que peut-être ça pouvait être les moyens liés aux moyens. Voilà. Il y a certains agents de la région des eaux qui disent que dans certains quartiers, ils sont vilipendés par la population. C'est pourquoi ils ne veulent pas y piétiner. Bon, ce n'est pas une raison. Il faut seulement faire un bon service. Dès lors que vous faites un bon service, ça va. Parce que si vous voyez le temps, ce que nous appelons ici des délestages, s'il faut donner à l'ouest, vous donnez à l'ouest. Si vous donnez à l'est, vous donnez à l'est. Donc, qu'ils comprennent l'horaire. Si c'est aujourd'hui l'Est, c'est l'Est. Si c'est aujourd'hui l'Ouest, c'est l'Ouest. Mais quand vous allez commencer maintenant à créer une certaine injustice, peut-être c'est là où la population va commencer à se fâcher. Parce que moi, j'ai suivi un groupe de gens qui disaient, écoutez, nous avons notre horaire. Nous savons que lundi, nous avons de l'eau. Mardi, nous n'avons pas de l'eau. Ils vont se profiter de s'approvisionner les lundis. Mais si lundi, ils devraient avoir l'eau, ils n'ont pas l'eau, à ce moment-là, on risque peut-être de crier à l'injustice. Donc là, je comprends la réaction de la population. Mais je demande à la population de ne pas tellement trop s'en prendre aux agents. Ils font ce qu'ils peuvent bien faire par leurs moyens et par les moyens que l'État a mis à leur disposition. À travers les images que nous venons de lire tout à l'heure, maître, il y a certaines populations de certains quartiers, eux ne reçoivent que de l'eau à 1h du matin. Et quand cette eau coule, il n'y a plus de pression. Et lorsque l'eau commence à couler, ils sont pourchassés par les coulounas, ne savent pas s'approvisionner. Quel conseil pouvez-vous donner aux agents de la Régie des eaux à ce sujet? Je viens de dire que c'est lié aux moyens. C'est lié aux moyens. Il faut avoir la pression, augmenter les pressions. Pour augmenter les pressions, il faut avoir les matos. Donc, ça s'achète. Hein. Donc, il appartient maintenant à l'État de voir dans la mesure du possible. Moi, je ne peux pas commencer à me permettre de critiquer ce que les autres n'ont pas pu faire. Je ne peux qu'encourager pour dire que si vous allez commencer à faire donner de l'eau par horaire, il faut respecter l'horaire, c'est ce qui est important. Maintenant, le deuxième point, c'est les coulounas. Je crois peut-être que l'État aussi doit faire ce qu'il pouvait bien faire, parce qu'il faut sécuriser la population. Nous devons faire un effort, n'est-ce pas, de voir dans la mesure possible comment nous devons lutter contre ce que nous appelons le terrorisme urbain, comme il m'a appelé les coulounas. Donc là, ça appartient à l'État de voir dans la mesure possible. Là, maintenant, c'est le ministère de l'Intérieur, parce que s'il faut parler de l'eau, c'est le ministère de l'énergie. Maintenant, quand on parle hydraulique et énergie, maintenant, quand vous parlez de Corona, là, il faut maintenant voir l'intérieur. Et au-delà de l'intérieur, nous avons les parquets qui aussi intervient dans le cadre du ministère de la Justice. Donc, que chaque ministère essaie de faire ce que l'État lui a assigné comme mission et pour voir la population dans la quiétude. Chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, nous recevons sur ce plateau Maître Loulou. Il est avocat au barreau de Kwilu, il est avocat de la République, il est ici à Kinshasa en République démocratique du Congo. Avec lui, nous sommes en train de parler de l'état des lieux, deux mois après l'annonce du chef de l'État en ce qui concerne la desserte en eau et électricité à la population congolaise pendant cette période d'état d'urgence. Maître, vous êtes avocat de la République. Aujourd'hui, vers une troisième prorogation de l'état d'urgence, la population n'a pas pu travailler. N'est-ce pas que ceci peut entraîner à des morts massives, des morts qui ne sont même pas liées à la Covid? Bon, regarde, ce qui est important, le législateur a prévu que dès lors qu'il y a une situation qui crée une ingouvernabilité, et aussi il y a une situation qui se crée,
qui met en danger la souveraineté territoriale, qui met en danger le bon fonctionnement des institutions. Les législateurs, le constituant a prévu que le chef d'État puisse décréter l'état d'urgence. Donc l'état d'urgence est un régime spécial où il y a des mesures spéciales prises. Donc nous estimons qu'il y a une étude au départ qui va nous donner l'occasion, n'est-ce pas, d'essayer un peu de voir dans la mesure possible comment proroger. Alors, les constituants ont prévu qu'il y ait un débat. Donc, j'estime que si on a parlé de la deuxième prorogation et on envisage de faire la troisième prorogation, nous estimons qu'il y a un débat qui se passe à un certain niveau. Donc, si tel est le cas, nous sommes satisfaits. Donc, nous savons qu'il y a des représentants qui représentent les gens que vous craignez voir mourir, qui vont parler au nom de ces peuples et qui vont voir dans la musique comment défendre les peuples. Donc, il faut dire qu'il y ait un débat. Là, c'est au regard de l'article 85 et puis l'article 119 qui demande à ce qu'il y ait concertation, 146, 146, si je m'abuse, qui demande qu'il y ait concertation, qu'on prenne, n'est-ce pas, qu'on puisse, n'est-ce pas, envisager de prendre les mesures pouvant, n'est-ce pas, sécuriser la population, parce qu'il y a un danger inconnu, un danger invisible, un danger sans adresse, un danger qui se transporte, un vraiment danger permanent qui nous guette, qui est le virus, le coronavirus, et l'État est obligé de prendre des dispositions. Alors, voir les gens mourir parce qu'ils seront confinés, et voir les gens mourir parce qu'ils sont contaminés, je crois peut-être l'État a pris le choix et il a préféré confiner. Vous êtes avocat du peuple, je disais tout à l'heure à nos téléspectateurs. À 7 cas, les activités ont été fermées. Mais maintenant, à ce jour, à 1800 cas, certaines langues, certains ministères pensent qu'il faut relancer les activités. Prenons l'exemple du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire qui pense que dans les régions non touchées, il faut que les activités académiques reprennent. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique est en train d'envisager des possibilités sur la probable reprise d'activité à l'EPSP et généralement avec les élèves finalistes du primaire comme du secondaire. N'est-ce pas que ceci fragilise l'opinion par rapport à ce qu'elle considère comme un mal nécessaire ou Covid serait un prétexte? Regarde, nous sommes parmi les gens qui ont cru à cette assertion en disant que pourquoi avoir eu 50 cas, 30 cas, moins de 30 cas, nous avons opté pour les confinements et aujourd'hui nous avons 1700, 1000 quelques cas et nous optons pour les déconfinements. Vous savez, en ce qui concerne la résolution de certaines situations, il y a des approches. Vous pouvez aussi utiliser l'expérience des autres. Nous avons l'expérience européenne. Nous voyons comment est-ce que les Européens luttent contre cette pandémie. Mais le vrai problème, c'est quoi? Il y avait un problème de formation. Nous avons eu une nouvelle maladie, une nouvelle pandémie, et nous n'avons pas eu des informations sur cette pandémie. Il y a eu des tâtonnements. Il y a eu même ce que nous appelions les déficits communicationnels des autorités. Et nous avons dit que nous comprenons parce que c'est la première situation. Je rappelle à tout le monde que l'état d'urgence, tel que nous le vivons aujourd'hui en République du Congo, c'est la première fois que nous avons l'état d'urgence depuis, n'est-ce pas, l'élaboration de notre constitution de 2006, 18 février 2006. C'est la toute première fois que cette disposition s'applique. Donc il faut comprendre qu'il y a toujours des ratés. Donc à ce qui concerne le confinement, par rapport à moins de 50 cas, et aujourd'hui en ce qui concerne le déconfinement, par rapport à 1700, 1800, 1900 cas, je peux vous dire, sans peut-être de peur être contredit, que nous savons maintenant l'information. Nous avons maintenant l'information sur la maladie, sa propagation, les taux, sa fréquence. On peut situer cette pandémie, on peut la gérer. C'est-à-dire, nous sommes maintenant dans cette phase de vivre avec la maladie. Ok, de vivre avec la maladie, avec les informations dont nous disposons. Parce que hier, c'était impossible de savoir ça se propage combien. Il y a même des gens qui posaient la question, est-ce que après les rapports sexuels, on peut contracter? C'est-à-dire, on n'avait pas des informations nécessaires. Aujourd'hui que nous avons les informations, moi j'estime qu'on peut vivre avec la maladie. Hein. Nous avons les maladies beaucoup plus dangereuses ici en Afrique, qui tuent plus que même coronavirus. La malaria, par exemple. Oui, vous donnez plus l'importance à cette pandémie parce que ça vient de déranger la Chine, les États-Unis et puis l'Europe.
Mais nous, ici en Afrique, vous et moi, toi, tu es malaria, tu as le palu, moi aussi, j'ai le palu. Donc, pour dire que nous avons ce virus de palu, nous avons les germes de palu entre eux, mais ça devrait peut-être se déclencher pour t'abattre, peut-être si ça atteignait un certain niveau. Mais si on vous contrôle aujourd'hui, même si vous ne faites pas de la fièvre, on va vous détecter le palu. Donc, pour dire que nous avons des malades, nous avons la maladie, nous avons certaines maladies que nous vivons, et cette maladie sont devenues nos propres voisines, nos propres amies. Alors, moi, je crois peut-être l'important, c'est de savoir comment vivre avec ça, qu'au lieu de se cacher derrière le confinement et rester en créant d'autres problèmes. Vous venez de dire tout à l'heure, en me posant la question, vous ne voyez pas que les gens vont mourir en confinement. Nous disons qu'il faudrait maintenant laisser les gens mourir dans les confinements ou au lieu de laisser les gens travailler, mais avec des mesures et barrières. Voilà ce que nous avons opté. Nous tendons déjà à la fin de cette émission. Aujourd'hui, ça cloche entre FCC et CASH. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, est en train d'être menacé. Il y a déjà une pétition sur la table. Trouvez-vous que sa déchéance peut créer une véritable crise entre FCC et CASH? Bon, je ne crois pas. Parce que nul n'est indispensable dans une situation où tout le monde a un intérêt. Je ne crois pas. Mais ce qui est vrai, nous devons conseiller à nos amis de CASH de voir dans la mesure possible comment est-ce qu'ils peuvent résoudre ces problèmes à l'interne. Ça aurait été mieux. Et je me pose la question, et j'ai toujours dit que le crime profite à son auteur, donc au criminel, au délinquant. Donc si vous allez laisser les CASH se disloquer parce que vous ne savez pas gérer vos ambitions, vous êtes incapable de gérer vos petits conflits de ménage, je suis désolé. Donc nous sommes dans un monde politique où on doit voir quel est l'intérêt en posant tel acte. Alors, s'il faudrait conseiller Kabound, moi, en tout cas, je lui dirais tout simplement qu'il présente sa démission. Je ne l'oblige pas, mais c'est un conseil. Pourquoi un conseil? Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment est-ce que le bureau n'a pas pu respecter le règlement d'ordre intérieur. Parce qu'il y a un règlement d'ordre intérieur qui vous régit. Et nous avons ce que nous appelons aussi le devoir de solidarité. Nous devons avoir la solidarité entre nous. Nous sommes dans un seul bureau. Donc, on ne peut pas comprendre qu'il y a un président, il y a un premier vice-président. Il y a des petits conflits qu'on peut arranger facilement. Permettre à ce que ces conflits puissent vous déchirer, je ne peux pas comprendre. Donc il faut toujours mettre des mécanismes pouvant permettre à ce que vous puissiez absorber certains conflits. C'est ce qu'il devrait faire. Alors conseiller à Kabound de démissionner parce qu'en ce moment-là, Kabound risque. C'est ce que Nikino a dit, que toucher balle à carré, c'est-à-dire il va se compromettre, un orgie, et l'arbitre va siffler. En ce moment-là, il va apparaître comme étant quelqu'un qui va ramener, n'est-ce pas, les dégâts dans cette alliance. Alors moi, je lui demande seulement de se retirer. En se retirant, M. Kabound, vous aurez un motif. Étant donné que dans votre propre correspondance, vous avez dit, il y a une correspondance que vous avez reçue. En acquisant réception, vous avez reçu une correspondance en date du 13 que vous avez réceptionné le 12. Là, c'est déjà un problème sérieux. Donc, c'est comme si les gens réfléchissent au futur. Ils ont déjà tiré sort sur toi. Et deuxièmement, selon le règlement d'ordre intérieur, il est prévu que le membre du bureau sur une pétition doit être notifié 48 heures de la réception de cette pétition au niveau du bureau. Si cela s'est fait ainsi, tant mieux. Mais Kabound réclame pour dire qu'il n'a jamais été notifié. Et si cette motivation existe, ça n'existerait que sur les réseaux sociaux. Moi, je me pose la question de savoir, une institution comme notre Assemblée nationale, une institution prestigieuse comme la nôtre, pouvait-elle se comporter comme ça en violant elle-même ses propres dispositions? Ça, c'est ma crainte. Alors, c'est que l'été, comme on dit, l'été sont jetés, que M. Kabound voit dans la mesure pour comment il va quitter. Et si Kabound quittait le bureau, il reste député. Ça n'influe pas sur son mandat. Et qu'est-ce que Kabound va gagner en restant premier vice-président accroché, s'accrochant face à son parti politique? Aujourd'hui, j'ai toujours demandé à ce qu'on puisse revoir un peu notre constitution. Parce que le chef de l'État qui a un programme, et ce programme élaboré dans un parti politique, donc nous supposons que le chef d'État vient et l'émanation d'un parti politique. Alors, comment voudrez-vous interdire à ce chef qui est élu de ne pas avoir
une responsabilité ou soit de jouer un rôle dans son propre parti, là où il vient, son origine, tire son origine, et ensuite là où son projet de société est, a eu comme soubassement son parti politique. Alors c'est ainsi nous nous disons, cette disposition qui interdit au chef d'État d'avoir une responsabilité au sein de son parti politique, nous estimons que c'est une disposition qui bloque le chef d'État d'avoir, n'est-ce pas, ses lieutenants pour les soutenir. Or, le vrai lieutenant du chef de l'État, ce ne sont pas les ministres directement, c'est aussi sa base. Rappelez-vous que c'était cette base qui a fait que le chef de l'État actuel puisse retirer sa signature. Donc, pour dire tout simplement que nous devons voir dans la mesure comment nous devons réformer cette disposition. Mais qu'à cela ne tienne, Kabound, vous n'allez rien gagner en s'accrochant à ces postes. Et d'ailleurs, l'UDPS ne gagne rien. Parce qu'aujourd'hui, si Kabound a réagi comme étant membre militant de l'UDPS en réclamant qu'il n'y ait pas congrès, et s'il était simple député, vous ne sentez pas qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas s'apprendre à lui. Parce qu'à ce moment-là, il a posé des actes comme un député. Mais maintenant, si Kabound est dans les collimataires, c'est tout simplement parce que Kabound, non seulement en déclarant qu'on ne pouvait pas, une opportunité plutôt d'organiser les congrès parce que ça coûterait 7 millions de dollars au trésor public. Imaginez Kabound, il était un simple député. Qui allait demander à ce que Kabound puisse quitter? Raison pour laquelle nous demandons à Kabound de se retirer. Et non seulement... Bandeko Balandi, Radio-Télévision, La Voix de la Démocratie. Nous disons merci à notre invité d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Vous allez nous excuser cette tautologie. Nous disons merci à Don Kaimbe et José Kapajika pour la production, la coordination et la réalisation de cette émission. Nous disons merci à Théo Bakatuila qui est derrière la caméra. Restez en direct et en continu sur www.mediaforafrica.net, soit sur www.lavdc.net et aussi sur Info RD Congo, notre page YouTube. Merci à cette équipe des Zombo le Soir constituée de Adrien Mayumbu et Raphaël Chananga ainsi que Théodore Bakatuila. À la prochaine pour un nouveau numéro.